On va prendre quelque chose de fin. C'est merveilleux. Oh, c'est pas possible. Donc là, s'il n'y a aucune poussière, c'est magnifique. Est-ce que j'y crois pas trop? On va essayer de rester calme. Apparemment, c'est toujours bon. Ça a été mis à peu près bien. Je dis bien à peu près parce que ça me plaît pas trop. Il y a une bulle qui veut pas partir là-haut. Et je sais pas pourquoi. Elle doit être pile sur le rebord et ça doit pas plaire. Ah. Bon bah j'ai réussi à la faire échapper. Bon bah. J'ai envie de dire ouf. Ouf. Voilà, et regardez la différence. Attendez, je vais réactiver voilà, l'écran. Qui est sur trépied, mais pas très stable le trépied. On voit que ça bouge. Faut pas avoir la nausée. Non, je suis pas sur un bateau. Hop. Donc voilà, et en fait, sur une vidéo aussi, j'avais dit en noir carbone, donc comme là, ultraviolet. Mais il y a aussi le bleu corail, bien sûr. Et après, une fois qu'il va être bien sorti, là, je suis plus trop à l'actualité, je regarde pas trop. Mais je sais pas si on va faire d'autres coloris comme il y a aux États-Unis, je crois, ou autre. Et sûrement avec plus de gigas aussi, parce que c'était juste pour le lancement. Donc, comme je vous l'ai dit. Je suis amateur, je suis pas calé de ouf non plus, comme certains, ils sont vraiment au taquet tous les jours, ils regardent les actualités sur internet pour tel portable ou tel GoPro. Là, ceux qui veulent savoir la définition, je suis sur donc la GoPro Hero 6 et je suis en train de filmer en 1080 en 240 images par seconde et écran large. Donc voilà. Donc bah je suis assez satisfait comparé à la GoPro, bah là on va pas pouvoir voir, mais comparé à la GoPro la dernière fois où qu'il y avait une petite impureté qui était posée dessus, là ça peut aller. Il fait assez sombre donc je vois pas très très bien, enfin sur l'écran de GoPro, mais bon. Ouais, ça va, franchement. N'hésitez pas à prendre une carte, ce que j'avais déjà fait sur une autre vidéo. Il y a une petite saleté, mais ça n'a pas créé une bulle juste là. Je ne sais pas si on verra sur l'écran. Enfin bon, voilà. Donc, voici pour... le petit tuto. Donc voilà, si ça vous a plu, et bien lâchez un petit pouce et niveau commentaire, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur n'importe, sur le téléphone ou sur GoPro aussi un petit peu, mais je suis pas pareil comme pour le téléphone, je suis pas hyper calé de ouf, donc voilà. Voilà, donc juste après je vais faire enchaîner avec le bouton Bixby pour pouvoir qui se situe juste ici.
Donc là, c'est le volume. Et ça, c'est le bouton Bixby. Donc pour voir, comme là, si on appuie dessus, il ne se passe rien. C'est que si on appuie longtemps. Enfin bref. Donc sur le bouton Bixby, si ça vous intéresse. Donc voilà. Parce que j'ai trouvé ça hyper chiant de tout le temps appuyer dessus. Donc voici. Sur cette vidéo, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à bientôt. Au revoir.